Fini les pénuries d'eau dans les ménages de la ville d'Agnibilékou. La production d'eau potable qui était de 3158 m3 jour pour un besoin journalier de 3754 m3 passe désormais à 5156 m3 jour. Grâce au renforcement de la production en eau potable de la ville d'Agnibilékou, le déficit de 598 m3 jour est résolu et la ville dispose désormais d'un excédent de production de 1402 m3 jour. Un véritable soulagement pour la population. C'est tout naturellement un grand soulagement pour les populations qui se plaignent quotidiennement des coupures intempestives d'eau. Bientôt, leur souffrance sera reléguée au rang des mauvais souvenirs. L'unité compacte d'Aigremonte, dénommée UCD, inaugurée ce jour a coûté plus d'1,2 milliard de francs CFA. Pour permettre à la ville qui s'étend de jour en jour de ne pas connaître de nouvelles pénuries d'eau, le ministre de l'Hydraulique a procédé au lancement des travaux d'extension du réseau hydraulique. Les travaux d'extension du réseau de 30 km d'un coût global de 503 millions de francs CFA, les travaux de réalisation de ce projet s'exécuteront en 3 mois, ce qui permettra d'impacter environ 1000 abonnés en plus. Après Agnibilékou, le ministre Laurent Kiagba s'est également rendu à Béthier pour l'inauguration de l'UCD de cette ville. Ici encore, grâce au renforcement de la production d'eau potable, les populations auront de l'eau en permanence. Notre ambition est de faire en sorte que le développement arrive dans toutes les contrées de notre pays, que chaque Ivoirienne, puisse bénéficier des bienfaits du développement. L'eau, source de vie, et grâce au ministre Laurent Kiagba et à son équipe, sous l'impulsion du président de la République et du premier ministre du gouvernement, l'eau sera une réalité, l'eau potable de bonne qualité sera une réalité pour tout un chacun. À Abengourou, où le ministre de l'Hydraulique a commencé sa visite dans l'Indéné Guablin, Laurent Kiagba s'est rendu sur les chantiers du projet d'alimentation en eau potable de la ville d'Abengourou et des localités environnantes. Notamment, le barrage en construction sur le fleuve de la Koumoué dans le village de Dalo, les châteaux d'eau en construction à Etienkro, Kogina et à Abengourou. À l'issue de sa visite, il a rencontré la population pour une réunion de restitution.